Les amis, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur WeSwarm TV. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui les amis. On va faire une map que vous m'avez conseillée qui s'appelle Travail dans une pizzeria Makelele. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est très cliché ce que je fais comme accent. Mais bref, j'espère que tout le monde va bien. Si vous avez des maps à me conseiller, n'hésitez pas. Les commentaires sont faits pour ça les amis. Nous voici donc dans la map les amis. Et je vais arrêter de faire cet accent de mafieux parce que c'est très cliché. Je peux parce que je suis moi-même italien. Bref, nous voyons ici la petite pizzeria, nous allons appuyer sur jouer. Let's fucking go dans la pizzeria et je crois qu'on va devoir livrer des pizzas, tout ça, tout ça. Caissier, cuisinier, ouais, emballeur, ouais, livreur, ouais, et fournisseur, ouais. Putain, mais attends, mais il y a plein de métiers là sur le truc. Débuter à la maison, non. En vrai, je pense que je vais être livreur parce que moi, livreur, ça peut être drôle. Allez, on va prendre livreur, les amis, c'est parti, regardez. Oh bordel, ça me fume. Il y a vraiment la casquette qui sort du truc. Enfin, les cheveux qui sortent de la casquette. Alors, payé à l'ordre de WeSwarm 500 pièces. Waouh. Ok, pour jouer à la première fois. Attendez, mais j'ai envie d'être payé 500 € pour juste être la première fois un livreur de pizza en fait. C'est génial, putain, mais j'ai 500 pièces. Mais c'est incroyable, non mais regardez la tête que j'ai. Tutoriel, le travail de la maison consiste à apporter la pizza chez le client. Eh ben écoute, let's go. Prends une pizza, eh ben je l'ai ma pizza. Oh, maqué. Donne-moi ma pizza toi, mais t'es un ouf. Attends, mais il m'a pris ma pizza ou c'était pas la mienne? Je crois que c'était pas la mienne, hein. Trouver une voiture et conduisez jusqu'à la bonne maison. Mais j'ai même pas la pizza sur moi. Ah, c'est là la maison, c'est ça. Ah, et je vais prendre une voiture, ok. Oh non, moi je voulais trop un scooter. Bon bah écoutez, directement dans la voiture. Non mais regardez-moi ça, je suis de toute beauté. Voilà, c'est de toute beauté, c'est incroyable. Et Zéberdez, mais oh, putain, il m'a fait peur lui, attends. Ouais, et du coup, on doit aller où? Trouver une voiture et conduisez jusqu'à la bonne maison. Et il y a, comment ça, la bonne maison, genre. Et elle est où la maison? Elle est où la fameuse maison là? En tout cas, je suis bien là. En vrai, je suis trop bien. Regardez, kiki, incroyable. Alors par contre je sais pas du tout où il faut aller. Oula, le temps a changé d'un seul coup. Ah non, ça c'est le livreur, pas du tout. Enfin c'est le livreur, c'est le fournisseur. Mais je sais pas du tout où est la maison, peut-être elle en vrai, je sais pas. Bon attendez, écoutez, je vais bien voir. On va voir si c'est ça, bonsoir. Qui a commandé une pizza ici? Non mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait lui? Putain, en plus j'ai plus mon déguisement là. Enfin mon déguisement, ma tenue de travail. Attendez, je retourne au boulot. Je sais pas du tout, je crois que j'ai fait de la merde. Ah, je crois que j'ai fait de la merde, je vais pas vous mentir. Oh, attends, parce que là j'ai vu un truc sympa. Oh, merde, je... Bon, écoutez, c'est pas grave. Ah, je fais de la merde, c'est fou. Je fais n'importe quoi. Attends, parce que là, une mobilette. Vous voulez acheter le produit? Oh non. Oh, en vrai, je serais bien tenté de l'acheter, mais non, en vrai, non, ça coûte vraiment trop cher. Pour juste une mobilette, ça coûte trop cher. Écoutez, on va reprendre une pizza. Voilà, j'ai le bon truc, c'est juste que j'avais pas pris la pizza. On va reprendre notre voiture qui fait n'importe quoi, et on y va. On va livrer la... Non, mais la pizza sort du truc, quoi, ça me... Oh, misère de misère. Bon, les amis, nous allons suivre le truc. Maintenant, je sais où je dois aller, tout simplement. Et, let's go. Let's go. Why not? Oh, putain, il m'a fait peur. Trop de temps s'est écoulé. Mais va te faire. Bon, c'est pas grave. Le tutoriel n'est toujours pas fini. Enfin, vous inquiétez pas, regarde. Je suis toujours là. Et qui a commandé une pizza? Toc, toc, toc. Oh, il y a une petite animation. Oh, super, la bouffe est là. Mais incroyable. Génial. Eh ben, au revoir. Au revoir, trop bien, bah génial. Ok, il me dit de cliquer sur ça. Améliore ta maison, est-ce que j'ai une maison déjà de base? Attends, je peux augmenter, attends, parce que là j'ai 500. Ah non, je peux entre 100 et 1000, donc bah j'ai 500, donc je peux pas 1000. Eh bien écoutez, let's go, j'ai acheté ma première maison. Et... Oh, ok, et où se trouve ma maison? Je ne sais pas du tout où se trouve ma maison. Bah écoutez, on va aller, on va retourner là où on était pour peut-être relivrer des pizzas encore une fois. On va bien se garer cette fois-ci, pas comme lui. Hein, on va bien se garer, voilà, on se gare comme ça, allez. Vous inquiétez pas, c'est bien garé. Vous inquiétez pas, c'est juste une illusion. Vous inquiétez pas, c'est bien comme ça. Bon, allez, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Tutoriel de livreur. Commencer. Consiste à livrer une pizza. Mais j'ai déjà pris une pizza. Ah, je dois recommencer. Trouver une voiture pour conduire jusqu'à la bonne maison. Eh ben écoute, let's go. C'est parti, on va relivrer une pizza. Wow, putain, mais ils sont complètement tarés, ma parole. J'ai failli l'écraser, il est en plein milieu de la route. Dégage un petit peu, mais c'est un taré lui. C'est un ouf. On est d'accord. Et la maison du coup c'est oh ben c'est chez moi. Attends, mais je vais me livrer une pizza moi-même. Bah écoute, let's go. Bonsoir WeSwarm, je te livre une pizza. Hourra, elle est arrivée, je me suis livré une pizza moi-même. Et tu me coupes le cou avec la pizza là. Maintenant, tous ceux qui travaillent reçoivent 10 pièces de monnaie en plus de leur chèque de paye. Oh, génial, tutoriel de livreur complet. Et qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi? Oh, génial. Ah bah super, là on travaille. Oh, putain, je suis vraiment le seul à faire ça quoi, ça me fume. Ça n'a littéralement aucun sens. Mais vraiment, littéralement aucun sens. Bon les amis, nous allons retourner là où on était. Et il faut pas non plus faire des embouteillages.
Putain, des embouteillages, plutôt des accidents, c'est des tarés. C'est des tarés, c'est du n'importe quoi. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est pour les gens qui transportent les pizzas, genre pour le fournisseur, c'est ça? Ça doit être ça. Bon, écoutez, on va quitter ça. Par contre, ça, je sais pas ce que c'est. C'est quoi ça? Je comprends pas. Et ça, c'est quoi? Ah, c'est mon inventaire, d'accord. Mur, ok. Oh, c'est quoi? Oh, c'est quoi? Oh, c'est ma fortune! Oh! Oh, j'ai placé ma fortune! Et quand j'appuie sur E, coffre de bonus de pièces. Lorsqu'un visiteur fait un achat à partir d'un coffre, pour obtenir un chèque boni. Ok, oh génial! Ah! Dès qu'il y a quelqu'un qui achète ça, moi je récupère un peu d'argent. D'accord. Et ça, c'est quoi? Consulter ma collection. Ok, y'a rien. Alors, bah merde, j'ai plus mon véhicule. Attends, je vais aller. Oh, je vais aller piquer à lui là. Je suis vraiment un connard de ouf. Attends, je vais essayer de le choper. Que lui est en train de le prendre. Oh, attends, si j'arrive à lui voler, c'est très drôle. Allez, salut! On s'appelle, mon pote! Oh, ça me fume, bordel. Ça me fume. Allez, salut, on s'appelle, hein. T'inquiète, c'est juste un emprunt, t'inquiète, y a aucun souci. Mais en plus, c'est surtout pas un truc de pizza du tout, je crois. Attends, mais c'est un truc de pizza? Mais j'ai pas l'impression que ce soit un truc de pizza. Je sais pas pourquoi, mais les voitures, c'est pas... J'ai pas l'impression que ce soit les mêmes. Bah non, regardez. Lui, c'est une décapotable et eux, c'est pas des décapotables. Je vais piquer sa voiture de normal, en fait, genre sa voiture personnelle, où je rêve, là. Bon, écoutez, on va reprendre un truc. Attends, qu'est-ce que c'est que ça? On peut changer? C'est quoi? Oh, on peut se changer. Oh, sympa, sympa. Incroyable. Attends, mais s'il y a des autres trucs, c'est incroyable. Un casque. Putain, c'est génial. Bon, écoute, on va se mettre comme ça. Nous, on reste comme ça. On a juste ça parce qu'il fait un peu froid. Voilà, il fait un peu froid en même temps. Regardez, dehors, c'est la neige et tout. Voilà, là, on a l'air d'un mec cool plutôt. Eh ben, écoutez, let's go. Attends, je vais prendre ce... Attends, quitte à avoir volé une voiture. Merde. Quitte à avoir volé une voiture, les amis. Pourquoi pas la reprendre? Pourquoi s'en priver, j'ai envie de vous dire. Pourquoi s'en priver? Pardon, oh pardon, je fais pas exprès, désolé. Allez, let's go, on va livrer notre prochaine pizza qui se trouve juste là-bas, les amis. Et oh, cette fois-ci, j'ai vraiment la pizza dans une salle de sport ou je rêve là? Mais c'est génial, attends, y a vraiment, c'est vraiment une salle de sport là? Ou alors c'est juste que le mec fait du sport? Oula, il a l'air baraque en plus. Wow, merci beaucoup. Ok, y a même une caméra de surveillance qui est juste ici. Oh, ah non, c'est la lumière. Et ça, attends, je peux utiliser ça? Attends, est-ce qu'on peut faire des... Ce n'est pas un lit! Mais il est con ou quoi, mon personnage, là? Ah, on a directement les pizzas là pour les livrer, d'accord. Ah oui, c'est nettement plus rapide, oui, c'est sûr. Parce que si je devais faire un aller-retour à chaque fois... Ah, une autre maison. La maison de Poeni. Poeni, Poeni, je te livre ta petite pizza. Voilà, serette. Allez, voilà. Oh, on se fait des bisous. A plus tard, ami des pizzas. Ami des pizzas. Mais tu es cuisinière. J'ai vu cuisinière. Et à chaque fois, je récupère plus 10, mais je sais pas comment avoir... Attends, parce que il y a plusieurs trucs, là. Achète un zoubé. Un zoubé. Juste ici. What? Normal, taureau, élan, cerf, lion. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et puis ça coûte 7000. Comment je fais, moi? J'ai que 0, frère. J'ai 0, je peux rien faire. Wow! Putain, il m'a fait peur, lui. Ok, bah le zoubé, hein, ça attendra. Qu'est-ce que c'est que ça? Améliore ta maison. Bah là, j'ai plus de pièces, frérot. Donc là, ça va être un petit peu dur. Bah écoute, on va faire, je pense, une dernière course. Puis après, on ira à notre maison pour voir ce qu'il y a un petit peu. Mais oh, bonsoir. Ah, il est stylé, lui, avec son petit truc Adidas. Au calme, t'as capté. Et y a plus de pizza? Y a déjà plus de pizza? C'est une blague? Où sont les pizzas? Boss, téléporteur géant. What? Téléporteur de gérant. C'est quoi ça? Oh, un chèque de paix. J'ai gagné 446. Sympa, sympa, encaissement. Et du coup, je vais pouvoir améliorer ma maison, c'est ça? Si je dis pas de conneries. Mais c'est génial. Et est-ce qu'il y aura des nouvelles pizzas à livrer? Non? J'ai pas l'impression que le cuisinier fasse quelque chose là. Oh merde, qu'est-ce que j'ai pris? Tutoriel. Le travail du boxeur. Du boxeur est de mettre une pizza du client dans une boîte. Eh ben écoutez, let's go, c'est parti. Ah, c'est pour ça, y a pas de truc. Ok. Cliquez, faites glisser une boîte sur la table. Ah. Ah, d'accord. Glisser une pizza dans la boîte d'ouverture. Ah. Cliquez pour fermer la boîte. Cliquez pour l'approche. Ah, d'accord. Tu l'as fait, la pizza est maintenant prête à être livrée. Génial. Tutoriel d'emboîteur complet. Ah, genre je mets ça comme ça. Pizza, je referme et ça part au four. Hop, hop, on met la pizza. Bon, elle est un peu à l'envers, mais c'est pas grave. Et ça part au four. Comme ça, moi, je vais aller me livrer tout ça. Oh, je peux en livrer 3. Attends, mais je vais en livrer le plus possible, frère. Et écoutez, les amis, ici, on privilégie le... Merde, merde. Attends, c'était pas ce que je voulais faire. Attends, merde, non, je fais n'importe quoi, bordel. Je fais n'importe quoi. Attends, excusez-moi, chef. Désolé. Ouais, pardon, chef. Putain, je crois que c'était le chef en plus. Hop là, je te le prends. Hop, hop. On livre tout. Il y a plus de pizza, le chef. Il fait n'importe quoi. Le chef va falloir livrer les pizzas. Attends. Ouais, mais c'est toi le chef là, le chef cuisinier. Bon, j'ai pas l'impression qu'il fasse quelque chose. On va aller livrer, les amis, ces pizzas là. Et puis, on ira voir notre maison. Et il fait nuit, c'est tout beau. Casse-toi, toi. Mais c'est fou. Mais dégage. Mais casse-toi. Ah, merci. Allez.
on y va, c'est parti pour livrer B3 par exemple. Et ben let's go. En fait c'est plutôt sympa hein, ce jeu, ce petit mini-jeu, honnêtement je kiffe bien. Écoutez, première pizza de livrer. J'ai du mal à parler aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai mais j'ai du mal à parler. Merci, y a pas de souci frérot. Merci, et ben salut, on s'appelle. Au revoir, allez. Prochain truc, c'est le A3 qui se trouve là-bas. Bon, on fait un petit, petit raccourci, tranquille, personne nous a vu, tranquille. Oh, j'ai foncé dans ta maison. Pardon, j'ai pas fait exprès. Et qu'est-ce que c'est que ces boules, là? C'est quoi ces boules? What? Et, what? Attends, c'est vraiment des arbres qui sont tombés. Nous livrons chez Jacques Bixon. D'accord. Eh ben écoute, Jacques Bixon, voilà, je te livre la pizza. Coucou! Oh mon dieu, de la bouffe! Non mais, on dirait t'as jamais mangé depuis 4 mois, genre, c'est bon. Ça fait 4 mois et le mec il a pas mangé, tu m'étonnes qu'il dise ça. Allez, let's go, on va livrer la dernière pizza qui se trouve. Oh bah juste là, ça va, c'est à côté. Et quoi ce bloc de couleur? Attends. Ça m'intrigue, les amis. C'est quoi ce bloc de couleur? Qu'est-ce que c'est que ça? What? Je me suis transformé en. What? Bah je me suis transformé. D'accord, bah je suis passé de livreur de pizza à à patron de chantier, je sais pas quoi. Bah écoutez, pourquoi pas. Et on livre du coup notre dernière pizza, les amis. A plus, ami des pizzas. Au revoir. Comment il s'appelle? Ami, pourquoi il dit ami des pizzas? Ah parce qu'il doit travailler aussi lui dans le truc, dans un truc. Je sais pas du tout où se trouve notre maison. Je crois que c'était plus sur le côté. Nous allons bien voir pour voir si on peut rentrer dedans ou quoi. Mais en vrai, je sais pas du tout si on peut rentrer dedans. Lui, le mec a carrément une salle de sport au calme. Ah les amis, nous rentrons chez nous. Et putain, la porte était ouverte. Pourquoi la porte est ouverte? On m'a cambriolé ou ça se passe comment là? Écoutez, je garde ma voiture même si c'est pas la mienne. J'en ai rien à faire. C'est moi qui décide, d'accord? Voilà. On garde notre maison. On rentre dans la maison. On ferme la porte. Voilà. Et on peut directement. Ok. Ouais, et je crois qu'on peut tout simplement faire dodo. Voilà. Bon, écoutez, les amis, ça va être la fin de cette vidéo sur travail dans une pizzeria. Honnêtement, c'était bien stylé. C'était super cool, même en vrai, d'être livreur comme ça. Je préférais être livreur que par exemple caissier ou gérant parce que là, on peut bouger. Et pour la vidéo, je trouve que c'est mieux d'être livreur que être par exemple caissier. Caissier, je pense pas que ce soit très fun dans ce jeu. Écoutez, si cette vidéo vous a plu, les amis, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous avez d'autres maps à me conseiller, n'hésitez pas également à le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, activez les cloches de notification. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. C'était WeSwarm TV, à la prochaine les amis. Ciao ciao. Oh, no.